Comment c'est les gens qui sont les gens là? Non, on est en train de se faire. Au milieu, c'est pas prévu. Oui, on en va. Où est-ce que là? Mais oui, donc on est des mystères, c'est la saison de la soirée. Exactement. Parce que, on est la solution, on est là, je prends la boucle. Inaliénable que on mettra Je vais vous mettre la clé pour un cheminement.
c'est ma mère qui avait ma conférence, c'est possible ou pas possible. Hein? Et ça va, ça va. Non, 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 vous deux, deux. Ça va. Hein, ça fait 30 mois. Hein? Non, mais. Vous allez la faire. Combien de cas là, ça m'a dit bagani. Ambassadeur à Paris. Conseiller. Ah, conseiller. D'accord. C'est comme si Bikoumé parti là. Ah. Ambassadeur lui en Allemagne à Moscou. Ouais. Parce que moi je me disais. Kumwanya kala masamba ndebakani. Il a besoin de débat. Kumwanya iko ndebakani. OK. Ngete. Ça va pas là. Ok, c'est bon. Merci. La sortie officielle, c'était le 22 septembre. Ah, donc ça c'est... Disons, ça c'est maintenant la production du film, quand on peut attendre des groupes. Maintenant, on va voir... Maman, on va voir tout le monde. On va voir ce qu'on a dans la vie, maman. Alors, maman, d'où est partie l'idée de pouvoir mettre d'une manière visuelle cette histoire de nos aïeux? Ben, c'est une histoire avec laquelle j'ai grandi. J'ai grandi avec le nom de Simo Kimbangu, mais je ne savais pas tellement, à part le nom qu'il était réellement. Et à un moment donné, en tant qu'artiste, j'avais envie de m'exprimer et ce nom-là me chuchotait à l'oreille tout le temps, pendant 2 ans. J'avais ce nom-là en tête. Pendant 2 ans, j'avais envie de raconter l'histoire de Simo Kimbangu, mais je ne savais pas comment, parce que moi, je suis cinéaste, réalisatrice de films de fiction. Je ne suis pas très documentaire. Et je ne savais pas trop comment faire ces films de Simo Kimbangu en fiction, documentaire, comment, quoi raconter. Il y a beaucoup de gens qui ont le nom de Simo Kimbangu dans leur bouche, mais il y a des interprétations, il y a des ceci, c'est là. Je n'avais pas envie de raconter une histoire interprétée. J'avais envie de raconter une histoire historique, comme un personnage historique, comme Martin Luther King, comme Malcolm X, comme Kwame Nkrumah, comme Lumumba. C'est des gens qui ont existé et des gens qui attestent de leur existence. Et j'avais envie de raconter une histoire pareille pour Simo Kimbangu. Et voilà, j'ai commencé à faire des recherches. Et je pense que ce film, c'est Simo Kimbangu qui a voulu se dévoiler à moi parce qu'il a vu comment j'étais obsédée par lui. Il m'a envoyé, on va dire ça comme ça, un frère congolais qui habite à Liège, qui cherchait mon mari qui est combattant.
il est venu à la maison et en parlant, en échangeant, on s'est rendu compte qu'on avait la même histoire, que lui aussi était enfant des Banankole, descendant des Banankole. Ses parents étaient déportés aussi. Je dis, ah, tiens, moi aussi, mes grands-parents. Il dit, ouais, mais ma mère, elle est en vie. Amata dit, elle est née en 1938. Oh, génial, mais j'avais envie de faire un film sur Simon Kimbangu. Pourquoi ne pas faire un film sur des gens qui ont existé à l'époque de Simon Kimbangu, qui ont suivi justement. Qui ont été victimes de l'histoire de Simon Kimbangu. Et c'est comme ça que l'histoire du film est née. D'accord. Et les sources, à part le témoignage de notre maman Amatadi, quelles ont été vos sources? Alors, justement, comme je dis que Simon Kimbangu s'est dévoilé à moi, parce que c'est Amatadi, en allant faire des films, qu'on a découvert que la maman, elle a un livre qu'elle tenait, que son mari lui avait précieusement légué. Et c'était des notes, des procès verbales que les Belges tenaient à l'époque, en fait, de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Donc c'est un livre sans appel. Il y a beaucoup de noms de personnes qui ont été arrêtées au nom de Simon Kimbangu. Donc on apprend beaucoup de choses en parcourant les livres. On arrive à comprendre la tension qu'il y avait à cette époque. On arrive à comprendre la grandeur du nom Simon Kimbangu. On arrive à comprendre que le peuple congolais était uni à l'époque. Quand Simon Kimbangu s'est levé, c'est tous ses frères qui étaient avec lui, qui se sont levés avec lui, qui l'ont suivi. Donc c'est un livre extraordinaire que la maman a précieusement conservé jusqu'à ces jours, parce que le livre a commencé à se dégrader. Heureusement qu'on a découvert les livres à temps pour pouvoir le sauver et bien le garder précieusement. Est-ce que vous avez appris, on en a maté, vous avez eu l'idée de pour votre moment, vous avez visité un Kamba où siège Papa Simon Kimbangu actuellement, dans sa troisième disposition, Papa Simon Montengani? À Kamba, non, je n'ai pas encore été à Kamba, mais avec le film, je compte aller partout où il y a des Congolais, partout où je peux m'asseoir avec mes frères congolais et partager un moment d'histoire, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un film de partage où on n'a pas besoin d'avoir une étiquette. Il suffit juste d'être congolais, de s'asseoir à côté de son frère ou sa soeur congolaise et de regarder une histoire commune. D'accord. Et vous avez appris qu'actuellement en Kamba, sa divinité, le Banong, Tata Kimbangu, notre troisième disposition, parce que Mokang est actuel chef spirituel de la religion légale du Kimbanguisme, il est en train de mettre en place un bâtiment dans lequel on va trouver toute l'ancestralité du Kimbanguisme. Avez-vous appris cela? Oui, on m'en a parlé, oui, depuis la sortie du film, on m'en a parlé. Est-ce que tu es au courant? J'ai dit oui, maintenant je suis au courant. Et l'année dernière, comme par hasard, pendant que votre film était en cours de publication, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, avait demandé à tous les enfants relégués, parce que vous savez que Papa Simon Kimbangu, pour conserver son patrimoine, il a programmé, surtout pour la construction de Kamba, il y a des enfants, donc ceux qui sont avec lui en quartier, dans le Kimbanguisme. Il monte en Kamba le 8 juillet, le 4 juillet, parce que c'est la date à laquelle Mama Kinzembo, donc l'incarnation Mama Kipa Vita, nous avait laissé en 1929 là-bas à Mboma. Et donc cette date a été confiée au relégué Kimbanguis. Est-ce que tu couronnes cela? Non, pas du tout. Alors c'est bien, je vous donne l'information. Donc nous, en cadre de médias, si sous l'occasion, je pourrais vous permettre à l'occasion, on vous donnera l'invitation pour que vous visitez Kamba, parce que vous êtes naturellement Monankole et donc vous faites partie de cette patrimoine-là. Et donc peut-être à l'occasion, vous pourrez visiter Kamba. Maman, en tout cas, une fois de plus, est-ce que vous pouvez avoir votre nom et prénom et votre contact éventuellement? Date, c'est ça? Nom et prénom et contact pour vous contacter. Ah, contact, oui, voilà, moi, je m'appelle Rolda Di Masamba. Donc, vous pouvez me contacter. Je suis très active sur les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook. Lequel? Quel nom? Rolda Di Masamba. Si vous voyez que ma page Facebook, vous ne pouvez plus me faire mes demandes d'amis. J'ai une page où vous pouvez liker, m'envoyer un message. Je réponds. Je suis très active. Je suis sur Twitter, sur Instagram. Je suis partout. Vous pouvez me contacter. Donc, sur Twitter, on mettra Ladi Masamba. Nolda Di Masamba. Nolda. Toujours Nolda Di Masamba. N-O-L-D-A. Di. Masamba. Ah, dis, c'est Dimonekine, n'est-ce pas? Dimonekine. Dimonekine, vous nous go. Voilà. Ciao, Guilima. En tout cas, merci beaucoup. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Comme ça, les trois sont venus là. Et qui était là? Comment?
Alors, effectivement, moi, je faisais pas, parce qu'on lui a dit qu'il y a deux noms. Donc moi, dans mes recherches, j'ai vu sur Internet, j'ai réécouté annonce qui a pas J'ai vu ici la photo de tout le monde. Non, l'Angolais, c'est le chauffeur qui conduit l'autre véhicule qui était accidenté. Il a conduit jusqu'à pratiquement au moment de l'impact. Peu de temps avant, il a conduit. Il a remis le contrôle du volant au noir. Donc c'est le noir au moment où il passe sur la marque. Le noir qui conduit, c'est peu. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui détiennent des témoignages, il faut écrire. Moi, ça a une élection pour cela. Vous voyez, notre famille est tellement les trouvailles et récupérations du tournoi et la chaîne. Et le papa c'est mon Yvan. Et la chaîne, le jour où on l'a retrouvé, on est tous à trois. Mon papa il était décédé, mon grand-père il était décédé, moi. On est tous à trois. Je suis le seul du monde qui a les témoignages de comment on a retrouvé la chaîne. Mais j'ai vu là, c'est papa. Des personnes qui témoignaient, ils ont relaté des fausses histoires. Ils ont raconté des choses. C'est pas des caméras, tout ça. Ils n'ont servi rien. Alors je me dis, je sais que dans la réflexion de Dieu, quand j'ai découvert aussi la parole que papa vous avait dit, j'aime. Alors, on est laissé ces jours. Et après, les recherches pour corriger les déformations de l'histoire. La personne à qui il a demandé ça, il dit, mais non, pourquoi je lui ai dit, non, ça m'a passé, il a questionné par son enfant, c'est bien, non. On ne doit pas les réduire jusqu'à ce niveau-là. Ils n'ont jamais ramassé les squelettes. Ils n'ont jamais ramassé les squelettes de poisson au bois dans la poubelle. Ça n'a jamais été. Il dit, ça c'est l'histoire de Manu. C'est une histoire.
C'est ce que va te voir comme un problème. Allez, bangons maintenant. Non. Alors, Bakéokozoua, on devait place Batiké lui et l'autre, et tu vas nous trouver avec. Kassiamo, c'est bon, Baké. Ce n'est pas que comme clochard, Baké n'a fou, non. Baké m'a pas dit, l'autre, Baké m'a dit, Baké. C'est un clochard, non. Il faut nuancer le. Au nom du Père, qui papa qui souffre le culot, du Fils, qui papa qui a la et je t'explique, dis cette équité, qui l'écrit. Il s'appelle Emmanuel Ouattoula. Je voulais vous parler. Le nom de Jéhovah, Ouattoula. Ouattoula, c'est le dernier de l'Oukou. Certaines choses qui sont dans ce livre, c'est l'année du 2018, c'est l'année du centenaire de l'Europe à l'Emirat Coutima. Les sambaïs, mais une fois universelle. C'est l'histoire de l'histoire. Donc il y a deux raisons. L'histoire. Il y a donc cette histoire. Pas de la mythologie. Pas de votre façon de voir l'église, pas de votre façon de considérer les richesses culturelles. Et on était très proche de l'histoire. On parle de l'histoire, il s'agit des faits faits. Effectivement, une image avec la cathédrale C. Par moi-même, on n'est pas de l'histoire. En 1900. Parce que c'est moi-même qui l'ai vécu. Donc il a eu une enfance assez particulière, c'est ce que j'essaie de relater dans cet ouvrage. Il a eu une enfance assez particulière et une trajectoire de vie particulière également. D'accord. Donc c'est ce que j'ai essayé de relater dans cet ouvrage. Et à travers sa vie, à travers tous les événements marquants de sa vie, montrer la gloire de Papa Simon Kimba, sa présence. Donc ce n'était pas une biographie, rien que pour vous, en fait, qui avait un sens, qui n'avait pour but que de parler de lui. Non, c'était pour montrer à quel point Papa Simon Kimba était en lui. C'est-à-dire que sa vie était totalement entre les mains de Papa Simon Kimba. Donc de sa naissance à sa mort, en passant par les événements les plus marquants, c'est-à-dire donc l'accident mémorable donc de l'Okoulou du 29 juillet 1958, la Kunda Masangu, mais aussi comment Papa Gengenda l'a entre guillemets l'a formé, on va dire, pour qu'il soit celui qui organisera les écoles kimbangistes. Ah bon, c'est lui. Mais c'est lui. Racontez-moi un petit peu parce que c'est lui. Mais ils ont pas important de l'éducation. Exactement. En fait,
Donc, papa, Mathieu a connu à papa Dengue en 1948. Donc, je raconte les circonstances de leur rencontre qui sont assez particulières. D'accord. Et donc, de 1949 à 1957, papa Mathieu est affecté dans le nord du Congo. Donc, à Fort-Rousé, Rwando, à Lusaka, à Makwa, etc. Et donc, quand il va terminer en 1957, dès qu'il rentre à Brazzaville, papa Dengenda fait dire à papa David Somi, qui est le cousin donc de papa Mathieu. L'un des accidents du coup. Exactement, papa David Somi aussi fait partie de. Les accidentés, oui. Exactement. Et donc, quand il rentre en 1957 à Brazzaville, dès qu'il a terminé, parce que là-bas il a été maître d'école, directeur, etc. Donc, c'est un enseignant de carrière. D'accord. Qui est devenu diplomate plus tard. Mm-hmm. Papa Dengenda demande à papa Mathieu de mettre sur pied, un programme pour récupérer les enfants kimbandistes qui ont été exclus. Les enfants kimbandistes qui ont été exclus des écoles catholiques et protestantes. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il va aller tous les week-ends à Kinshasa, tous les vendredis. Il allait à Kinshasa, il revenait le samedi ou le dimanche. Donc, il repérait les enfants, il repérait les enseignants, il repérait le niveau, donc voilà, les programmes scolaires, tout ce qu'il fallait faire, c'est lui qui l'a fait, en fait. D'accord. Exactement. Donc, jusqu'à la création officielle des écoles le 4 janvier 1960. Et l'organisation, c'est lui. Comme dit Bandila Makambo. J'aime bien Bazakimbo parce que Brazza ça fait maçonnique. Moi j'aime Bazakimbo, excusez-moi du terme. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre que, qu'il est l'organisateur des écoles kimbandistes. Quand tous les enfants étaient chassés des écoles catholiques et protestantes, c'est papa qui va prendre en charge ce chantier. Entre autres, les amis, ça c'est juste, vous pouvez la puce à l'oreille hein, pour éventuellement vous procurer. Donc, papa, ouais, moi je t'appelle papa de Simon Dimon, papa Dengenda, le nom de Emmanuel. Oui, vous l'avez. Qui me vend, vous l'avez. Oui, mais ça c'est Emmanuel, il est con. Parce que. Le baptême, Emmanuel, il est avec nous. Donc, le baptême, vous l'avez, toi. Oui, papa, Ouattoula. Oui, papa. Qu'est-ce que tu pourrais encore signifier pour que les gens aient la possibilité de pouvoir se procurer ce document-là? Enfin, c'est un ouvrage, parce qu'un monsieur qui a mis en place les écoles qu'on voit, enfin celui qui a pensé, qui a eu la matrice, comment papa Dengenda, en l'accompagnant dans ce sens-là, mettre en place l'éducation issue du kimbandisme, papa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Pour cela, qu'est-ce que le livre, qu'est-ce qu'on peut trouver autre que Ce qu'on peut trouver, c'est également le témoignage. En 1964, plus précisément le 20 juillet 1964, papa Dengenda Kuntima a fait un témoignage concernant papa Mathieu à l'Outénélé. Ah bon? Ah oui, devant je me souviens, oui, d'arriver, pourquoi on se met en face par là? Parce que... Devant des pasteurs. Oui. D'accord. Donc, papa Dengenda a fait un témoignage. À cette époque, papa Mathieu se trouvait à Paris, à l'ambassade, comme diplomate. Ah, donc il a fini l'enseignement, après l'enseignement, il embrasse la carrière de... De diplomate. Parce que je me souviens, il m'avait dit que moi, mon titre de diplomate, c'est pas une nomination, mais c'est la méritocratie. Oui. Il avait mérité. Dites-moi un petit peu, En fait, ce qui s'est passé au niveau de la diplomatie, donc, au sortir des années 60, donc le Congo n'avait pas de diplomatie. Donc, ça commençait. D'accord. Et donc, de mémoire, c'est... je n'ai plus les dates exactes. D'accord, mais vous trouverez dans le livre. Vous trouverez dans le livre. Mm-hmm. Il y a un concours qui a été ouvert pour que le Congo envoie donc, des diplomates, donc les premiers, au Quai d'Orsay. Donc, c'est un concours qui a été organisé par le Quai d'Orsay et par le biais d'Éducation nationale. D'accord. Donc, le concours est ouvert, entre guillemets, à tous, mais il n'y avait que 2 postes disponibles. D'accord. Donc, les lauréats, normalement, il n'y en avait que 2. Wow. Sauf qu'à cette époque, il y a 2 partis politiques, l'UDDA et le NSA. Okay. Donc, il y avait d'un côté, donc, ceux qui deviendront effectivement lauréats aussi, François Ganao et Bernard Colella.
D'accord. Sauf que lorsque le concours est ouvert à tous, papa se présente. Ils étaient 32 candidats. Mmh. 32 candidats, sauf que les gens, enfin, c'est un secret professionnel, les gens savaient qu'en fait, finalement, il n'y avait que deux places promises. Les deux places promises, ben, c'était. Elles étaient en fait réservées, oui, on voit. Oui, ça, c'est le cas diplomatique. Ça, hein. Ça, c'est à Moscou. Voilà. Ça, c'est à Moscou et puis d'autres. Allez, papa, continuez votre. Voilà. Donc, papa se présente au concours, il est premier au concours. Waouh! Il est premier au concours, donc ça s'est su. Du coup, avec des amis, ils sont allés voir à l'époque le ministre, qui est un ami à lui, qui s'appelle Gondian Prosper. Donc, ils sont allés le voir, et lui signifiait qu'ils étaient au courant des vrais résultats. Même si d'un côté, on sait qu'il y avait, M. Gennaro et M. Kovela. Dans le cadre politique? Dans le cadre politique, papa savait qu'il était le premier. Mmh. Donc ils sont allés voir avec d'autres personnes, ils sont allés voir Gondian, qui ils ont dit, nous on sait, donc, les vrais résultats on les connaît, je suis premier. Donc je suis premier de loin dans pratiquement toutes les matières, je ne vois pas comment je peux être recalé. Donc c'est ainsi que le ministre de l'éducation nationale, Gondian Prosper, est allé voir le président Youlou. Pour lui signifier que M. Mathieu Ouattara était au courant des résultats. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mm-hmm. Donc c'est ainsi que Youlou va appeler le Quai d'Orsay pour demander une troisième place, mais qui à la base n'était pas prévue. Okay. Mais vu que papa était premier, bien sûr, et qu'il y avait un poste pour chaque parti, mm-hmm, c'est ainsi qu'ils vont se retrouver trois au lieu de deux. D'accord. Donc Gennaro, Bernard Kolela Bakana. Dans l'ordre. D'accord. Mathieu Ouattara. Oui, bien sûr. Dans l'ordre, Mathieu Ouattara. D'accord. Gennaro et Kolela. D'accord. Voilà. Bon, après, effectivement, ils sont allés en stage. Ça brûle pour papa, et puis voilà. C'est un peu ça, c'est pour résumer. D'accord. Je donne le livre, en tout cas, contactez. Je donne tous les détails, un peu comment ça s'est fait, comment ils ont mis en place les statuts, la diplomatie. De la diplomatie. Et puis après ça, ils sont chacun repartis. Kolela est parti à Hambourg, Gennaro à Londres et papa à Paris. C'est comme ça qu'il y a. Donc, c'est en quelque sorte le premier représentant du Congo. Il y avait M. Philippe Bikoumou. Ça, c'est dans le cadre. Mais effectivement, mais papa, une fois que Bikoumou s'en va, c'est papa qui reste à la tête de l'ambassade. Mais Bikoumou, pourquoi Bikoumou arrive avant à l'ambassade? Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? À ce niveau. Non, je n'ai pas l'explication, effectivement, à ce niveau-là. Mais effectivement, lorsque le concours est ouvert, ils sont trois. Mais ça n'empêche qu'il y a eu beaucoup de gens qui le procèdent à passer le front. Ouais. Ça, effectivement, on n'a pas. J'ai pas cette explication. Enfin, tout le monde. Mes chers amis, vous suivez très le monde entier. Papa, le dernier Lukulu, donc, celui qui avait le sceau de Baba Fumolongo, Kimongo Tima Kengani, c'est lui qui était le premier représentant du Congo ici à Paris. Un autre avec le papa, dans le cas du livre. Dans le cas du livre, il y a le témoignage, donc effectivement c'est un témoignage sur lequel j'ai commencé mais je n'ai pas terminé. En 1964, papa Diangenda s'adresse à des pasteurs, à l'Utembe. D'accord. Il leur dit, donc j'ai mis le document à l'intérieur. Mm-hmm. Nakongo Brazzaville, je ne sais pas si. Parce que c'est. Alors, je sais pas si je. Non, il faut donner envie aux gens de venir trouver le livre. D'accord. Hein, parce que comme ça, oui, non, mais en fait, les termes exacts qui sont. Ah, okay. Voilà. Il dit Maloba, il y a papa Mpumalongo, Pona, papa Ouattara Mathieu. C'était le 20 juillet 1964. Le 20 juillet 1964. Papa se trouvait à Paris à cette époque. D'accord. Nalingomba, il y a le Tendele, papa Lobiete, Motomoko Azali, na Congo Brazzaville, Akomona, Bokondi, il y a papa Nangaye, Namiso, Naye. Tango Bokondi Ango et Koya na Mokili. Papa a l'obliété, papa a tillé, piqué na Congo Brazzaville, l'ami sur Tata Nzambe, Kolo Yesu, na Tata Moli Momosanto. Kombo naye, papa Mathieu Ouattara. Papa a l'obliété, a Kokoufa, nous quitté. Bon, bref. Après, il y a une suite. Ah, je me souviens, oui. Voilà, à Kokoufa, et là, papa a 40 ans. D'accord. Et papa n'était pratiquement à la moitié de sa vie parce qu'il est mort à l'âge de 82 ans. En 2006. Oui, j'étais témoin. Mais papa, c'est moi qui m'en tiens, Annie. Je viens chez le secrétaire en 2001. Mm-hmm. Après ça, donc c'est pourquoi il est venu faire un témoignage au cadre des 15 ans, en 2002, lorsque le chef spirituel, papa, c'est moi qui m'en tiens, Annie, est venu à Brazzaville. Effectivement, papa est parti de Paris pour venir faire ce témoignage de papa Diangenda.
Donc l'accomplissement d'une prophétie. L'accomplissement d'une prophétie. D'accord, on s'y voit Zagoulungen. D'accord. Entre autres. Ok, pardon. Donc voilà. Après, effectivement, il y a beaucoup d'anecdotes de ce qui s'est passé lorsqu'il a été, lorsqu'il a travaillé dans le nord du Congo pendant les 10 années où Papa Nyangenda va en quelque sorte lui donner cette mission d'aller se former, entre guillemets, puisqu'il a été maître, directeur d'école, etc. Et il y a eu des situations assez extraordinaires d'un plan de vue spirituel, même métaphysique, qu'il a vécu. Mais c'était la présence des papas tout le temps. Bon, maintenant, pour ceux qui disent Lukulu, parce qu'on va finir là, on finit là pour cette interview. Ouais. Lukulu, parce que c'était le dernier Lukulu, n'est-ce pas? C'était le dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit anecdote à propos de Lukulu, s'il vous plaît. Anecdote à propos de Lukulu? Oui, parce que papa va. Parce que. Comment on appelle Kinshasa le Boubou ouais. Est qualifié comme étant Ngetesemeni, le nouveau Ngetesemeni. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant entre le voyage? Il associe Papa Ouattoula, Papa Tatansoum qui est son cousin dans ce voyage-là. Un petit vite fait, alors, sans pour ça dévoiler bon, plus le secret. Bon, juste que le papa d'Indien a effectué un voyage à Boko, donc à Kinshasa le Boubou, le lundi 28 juillet 1958. Donc, il a demandé, lorsqu'il arrive à Kinshasa de Boubou, d'aller prier dans une case, une maison abandonnée, qui appartenait au feu Papa Benjamin Matondo Biyamo. C'est une case abandonnée. Mais Papa Nyangenda a demandé à Papa Matuba d'aller prier dans cette maison. D'accord. Personne ne savait ce qu'il y avait dans cette maison. Mais lui, il a tenu à aller prier dans cette maison. Donc, il allait faire sa prière. Alors, c'est là où il va prendre tout le programme. Donc, une fois qu'il a terminé, il demande de rentrer tout de suite. Les bambous qui sont là, les anciens, ils disent non, mais papa, restez encore avec nous. Il dit non, il est hors de question là, il faut que je reparte d'urgence à Kinshasa. Donc, il repart à Kinshasa. À cette époque, papa Mathieu, puisqu'il est en vacances scolaires, il se trouve chez son cousin, papa David Nsomi. Il est de Brazzaville, mais il habitait à Kinshasa. Tout à fait. Donc, papa s'y rendait souvent. Mm-hmm. Il se rendait souvent chez son cousin, papa David Nsomi. Et donc, quand papa Nyangenda repart à Kinshasa, Dès qu'il arrive, il fait dire à Papa David de dire à Papa Mathieu de ne pas repartir à Brazzaville. Parce que Papa avait prévu de rentrer à Brazzaville. C'est ça. Donc il dit, « T'es le tata Mathieu quand vous êtes au Congo, Brazzaville, où tu es là, tu es là, où tu es là. » Donc après avoir pris le programme à Boko, donc qui est le village de Papa David et de Papa Mathieu. C'est ça. Voilà. Que qu'on appelle l'équipe de l'okimbongisme, c'est l'équipe de Ngetesemeni. Ngetesemeni, soit qui vous là, donc c'est Ngetesemeni. Allez-y, papa. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que il arrive, Papa Nyangenda repart donc l'après-midi. Il fait dire à papa, donc David, de demander à papa Mathieu de ne pas repartir, ce qui est fait. Entre-temps, il y a papa Félicien Tende, qui est originaire de Matadi, qui était venu pour faire quelques courses à Kinshasa. Il avait son billet de retour à Matadi, et ayant appris que Papa Nyangenda était de retour, ben, il s'est dit d'aller lui dire bonjour. Lorsqu'il lui dit, bah, lui dire bonjour, mais ça c'est le programme divin, c'est ça. Papa Nyangenda lui dit, mais Mouta Félicien, mais moi je m'en vais dans le Bas-Congo, donc au lieu de repartir seul, si vous pouvez vous joindre à nous. Donc, pour papa, c'était un honneur de partir avec papa. Avec le banc Fomin Longo. Or, le plan divin était déjà établi. Donc, ceux qui étaient prévus pour être dans ce véhicule et faire partie de cet accident, le programme Boko. Donc, papa, ça, c'est le Basile Makambo toujours. Là-bas, il va prendre toutes les instructions, tout le programme. Puis voilà, c'est comme ça qu'ils vont tous se retrouver. La nuit, donc vers 3h du matin, enfin, on va pas dire tout, mes amis, voilà. Parce qu'il faut que vous achetez les livres. Faut que vous donc, c'est un peu ça. Papa, moi je t'appelle papa. Vraiment, c'est vraiment témoignage, c'est vraiment sur papa Simon Kimba. C'est la grandeur, mais à travers, voilà, montrer, à travers cet homme, ce que papa fait de lui. En fait, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est dans la main de papa Simon Kimba. Donc, mes amis, dans le cadre de soutenir papa Fumo Longo, Kuntima Diangenda, notre grand frère Tata Kimbango Nayet, donc Emmanuel Dieu avec nous a pondu donc ce support de travail qu'on peut utiliser dans le cadre de recherche pour expliquer le kimbongisme. Papa, maintenant comment on doit faire, grand frère, pour se procurer ce document-là? Bon, quels sont les contacts? Donnez-moi les contacts. Il y aura papa Gaudi, il y aura papa. Ah, donc vous verrez éventuellement voilà, votre livre, voilà. Vous pouvez le
voir. Il y aura papa, même papa Jérôme aussi. Papa, le grand frère aussi de la médiathèque. Papa Jérôme aussi, parce qu'en fait, il me demande le contact pour le livre. Éventuellement, papa Jérôme. Et puis, papa Nkwendo. Donc, ils peuvent appeler. Le numéro de téléphone, papa ? C'est 06 13 58 62 25. Voilà. On pourrait s'agir que en France, c'est fait le plus 33. 33 6, c'est la suite. Voilà, c'est qu'il a dit. Voilà, on fait le flux. Merci de vous, papa. Ben, c'est moi qui te remercie. Papa, t'avais dit que tu fais partie de la paroisse de Tours. Donc, papa, responsable de la paroisse de Tours, tu me couvrais un courrier. Tu l'as trouvé au fond où tu avais écrit. C'est moi qui m'en carnet de divinité. Et non, papa, Emmanuel Ouattoula, paroisse de Tours. Donc, c'est que faut que la carrière de Tours, là, qu'on voit. Merci beaucoup. Merci pour que je l'aie Dia Congo, on commence à me nommer, même pour faire un cas de média, il y a 5-6 de papa. Ah, merci beaucoup. Je voudrais un petit mot parce que nous, quand vous voyez, vous avez bénéficié des actions militaires. Le bonheur, vous pouvez savoir maintenant, il y a des gens qui sont mouillés. Oui, combat. Mais puis là, on va toujours battre là. Enfin, quand on a un cas pour ça, parce qu'on le sait un peu pour tout le monde, on a un peu pour la mission de terre. Bon, c'est vrai que, bon, ton gros mot, petit dans ça, là, on est communiqué, j'ai mon avis, parce que bon. Ça va arriver pas un jour, le lendemain, en tout cas, on a quand même. Donc, on demande un peu aux jeunes qui sont un peu mobilisés parce que, bon, nous, les choses ont été partagées sur WhatsApp, on utilise tous les médias actuels, hein, donc, ils ont la Facebook, ils ont la email, tout et tout. Après, bon, on peut pas forcer les gens, ceux qui peuvent venir, ben. Et tout ça, dans ce genre de choses, on regarde plus la qualité que la quantité. Exactement, en tout cas. Mais nous, on est ouverts, c'est que ben, vraiment, tout ça, on peut la discuter, mais tout ça, on sert. Ouais, ça nous épanouit, mais tout ça, on peut la discuter. C'est thématique abordée, on n'a pas fait le volant de Zegan et à 2001, c'est très important quand même. Bon, donc on le fait depuis, ben, régulièrement, depuis 2013, on est un peu sur. Ben, tous les ans, on fait ce genre de choses. En tout cas, tu motives beaucoup c'est et ça, on demande cela. Mais quand ça, quand même, c'est pas normal. L'année à centenaire, à Papa Danguina, sur la place de Paris, par exemple, il se passe rien. Donc, c'est pas normal. Enfin, il se passe des choses un peu à gauche, à droite, mais oui, banabouillé. Voilà. Et bon, un constat aussi, c'est que les gens ne vont plus au-delà à Papa Ouest, là, vraiment. Donc, c'est ça compliqué. Et donc, on a paroisse. X, il y a Y, il y a des. Pourquoi on n'avait pas ouais. C'est un peu ça la motivation, tout ça là. Mais tu en dehors. Je pense que ça devient compliqué. Oh, ça, les logos, on a paroisse, Moro, Bata, paroisse, Moussou, Baroyate. Donc, les gens sont. Pourquoi on avait pensé que ceux qui ont obimé la paroisse, l'idée, c'est pas qu'il y a obimé ça, Bata, Mamoubou, mais tout ça, il y a toujours l'autorisation de la responsable à la paroisse. On va voir les responsables. Pour tous les années, la place, on est neutre. Ouais. Ouais. Les amis, on va pas dire moi, franchement, je. Ouais. Non, mais merci, moi aussi, c'est costaud. C'est pas évident de mobiliser des gens. Alors que. Faut même aller voir le site, moi j'en parle, kimbanguisme.net. Oui, c'est ça. Vraiment, ça a été une mine d'or. Pour les gens, c'est beaucoup de gens y vont. Et les gens ne savent pas ce qu'ils le travaillent. Et c'est Webmaster, c'est Webmaster de Kimono. Les gens ne savent pas le travail énorme que le salle qui est juste derrière. C'est vrai. Il faut que ça se sache. Ouais. Ok, en tout cas, dans le même temps, on l'a insulté. Quand on est il y a un autre qui a aimé, moi, c'est mon équipement, tout ça, média. Média, c'est là qui manque pour son nom. Dia Congo, comment ça m'a nommé. J'ai qui. J'ai sa divinité. Tata qui manque au team, qui a gagné. Oui. À bientôt. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Parce qu'il y avait des événements qui tournaient autour de la vie de mon père, que je trouvais important. Les gens qui le côtoyaient, les gens qui passaient autour, à chaque fois, il y avait quelque chose qui se passait. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire attention jusqu'à ce que, effectivement, lorsque je lui ai parlé de ce projet, c'est comme s'il attendait que ça, effectivement, il m'a donné le feu vert. Donc il y a plusieurs raisons. Donc, d'un point de vue de la vie sociale, tout simplement, et de l'Église. Parce qu'il y a eu, une proximité assez importante avec les papas, les marxistes de Jean-Claude. Et il y a eu des événements assez importants qu'il a vécu avec eux. Donc c'est ce que j'essaie de rendre dans ce livre, montrer à quel point sa vie était pratiquement orientée, ou du moins balisée,
avec papa. Donc, à travers sa vie, c'est un témoignage que je rends, montrer la grandeur de papa qui m'a dit. Pas parler de lui sans but, non. Ce qui s'est passé, ce qu'a été sa vie, de sa naissance à sa mort, les événements qui ont jalonné sa vie ont été, comment dire, d'une signification particulière pour moi, notamment l'organisation des écoles témoignées, lorsqu'on les élèves sont chassés des écoles catholiques et protestantes. Donc c'est à lui que papa de Mbimba a confié cette charge entre 1957 et 1960. Je crois qu'on y reviendra parce que je dois avoir chez moi dans mes affaires, je dois avoir une lettre de lui justement. Il est en train d'adresser comme ça. On va bien parler, moi je voudrais bien voir cette lettre. La lettre, je l'ai parce que cette lettre-là, papa Mathieu Watula, pour moi aussi, faisait un peu partie, si je veux dire, quelque part de ma vie, parce que en fait, mon père, qui fait partie des premiers, je crois, des pionniers de l'enseignement du magnétisme, n'a jamais cessé, ça n'a jamais cessé de nous parler de papa Mathieu, papa Mathieu. Ça, c'est du coup, donc, papa, mon père, Ferdinand Mathieu, il parlait de papa Mathieu. Donc, toute mon enfance, il y a toujours eu des noms comme papa Mathieu, il y en a eu d'autres. Et puis, un jour, en 2005, je crois, je suis tombé sur une lettre où papa Mathieu écrit à papa Charles. Donc, bon, effectivement, donc, et là, par un déclic comme ça, si je reviens en France, la première fois que je rentre au pays, après plusieurs années en France, et donc je reviens, ma première préoccupation, c'est de savoir localiser papa Mathieu pour le rencontrer. Malheureusement, maman Sylvie me dit qu'il ne va pas bien, donc on l'a encore vu, mais voilà, il n'allait pas bien, donc voilà, puis on connaît la suite. D'accord. Donc, papa Mathieu, effectivement, donc, on connaît que c'est. Ben, vraiment, ben, la personne qui a mis un peu le première base de l'enseignement humaniste. Alors, donc, on y reviendra peut-être quand. Voilà. C'est l'événement de Loukoul. Effectivement, oui, voilà. Donc, ça, c'est l'autre facette de sa vie aussi. C'est que le livre en lui-même, il vous a pris donc énormément de temps parce que, en fait, c'est depuis. D'accord. Alors, j'ai envie de dire. Bon, déjà, pourquoi il est sorti cette année? Il y a deux raisons. C'était l'année du centenaire de papa Mbimba. Quand on est en pensant accident, du coup, on pense au centenaire en même temps. Et c'était le 60e anniversaire de l'accident de Loukoul. Mais pourquoi moi j'ai pensé, en fait, j'ai eu, comment dire, une pensée assez. Comment dire, c'était qu'il y avait quelque chose de persistant pour que je le fasse. Parce qu'en 1988, parmi ceux qui ont fait partie de cet accident, c'est lui qui allait faire le premier témoignage lors de l'inauguration du mémorial de Loukoul, 1988, 30e anniversaire. Donc, bon, je ne dis pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pu le faire. Il m'a dit que, en tout cas, il y a des Mambouta qui t'ont empêché de faire ce témoignage. Les papas, les trois papas étaient présents, donc il y a eu un problème. Ouais, il n'a plus fait le témoignage et depuis, il n'a plus jamais témoigné. Et donc, quand j'ai pensé 1988 à 2018, ça fait encore 30 ans. Ça fait encore 30 ans. Donc, en termes de, comment dire, de cycle, donc j'ai voulu, pour lui, faire ce témoignage, en parler de sa vie, et tout ce qui s'est passé, mais en étant lui entre les mains des papas. Alors, pour derrière le temps, on va dire, ouais. C'était bon. Le livre en lui-même, aujourd'hui, donc, il est sorti. Ouais. On peut le trouver, donc, je sais que aujourd'hui, il est déjà en vente. Il est en vente, donc, il y a, pour l'instant, les points, enfin, les personnes chez qui on peut les trouver, il y a Papa Guédelo, il y aura sûrement Papa Gaudi aussi, Papa Gaudi du Congo, et puis, il y aura peut-être en partie aussi Papa Jérôme lui-même. D'accord, Papa Jérôme, non, pour ceux qui me connaissent, ils passeront par moi. Donc, volontiers, hein, effectivement, vous ne trouvez pas de problème. Et donc, on se donne rendez-vous, on trouvera un moment où on trouvera un peu dans le détail, vous parlez du livre. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour la construction sur la réussite de la journée. C'est moi, en tout cas. On se dit à bientôt. C'est bien, bientôt. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Merci. Là, mais bon. Tu fais un direct, là? Non. Sans me donner, on va aller au boulot. Hein. Ça va aller. Désolé, ça va aller. Le problème, c'est que... Ah. Comment il s'appelle? Il m'a venu l'air d'échanger avec papa Aurélien Ambalé. Il
Il a donné aussi un peu sa contribution à la conférence de tout à l'heure. Juste, bah, s'il y a enfin, un avis à donner un peu sur le déroulement de la journée, papa Aurélien, qu'est-ce qu'on va encore retenir de la journée? Merci, papa Jérôme. Ça a été une riche journée, même si je suis arrivé un peu en retard. Mais on a fait ce qu'on a pu, on a essayé de participer tant bien que mal à l'événement. Vraiment, toute la communauté Kimbondis vous remercie pour les initiatives que vous prenez, les initiatives culturelles, intellectuelles. C'est ça qui manque à notre communauté. Vraiment, nous tenons à tirer notre chapeau pour tout ce que vous faites, parce que le Kimbondisme a besoin de rayonner. Le Kimbondisme a besoin d'aller, de percer les portes, les fenêtres, d'aller au-delà de ce qu'on peut espérer. Vraiment, c'est des manifestations comme ça qu'il nous faut pour que les écrivains, les chercheurs, tous ces gens-là puissent s'épanouir à travers des activités. Merci à vous aussi, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, la réussite d'une journée comme celle-là, elle ne dépend pas que de moi. J'ai beau organiser des choses, enfin, moi je n'étais pas tout seul, j'étais donc avec les papas et Nokumba, avec les papas Bios et Zizili. Donc ben, je voulais dire, c'est que ben, la réussite d'une journée comme ça ben, dépend aussi de vous qui venez participer. Donc, voilà. Des gens qui écrivent, des gens qui viennent participer aux échanges et tout ça. Donc, ben, on en profite pour inviter ben, les gens, les jeunes, surtout. Ben, tout le monde est jeune dans l'équipe Simbagui, mais le plus jeune, on va dire le moins âgé, qui viennent venir renforcer un peu ce que nous faisons, parce que ben, petit à petit, le temps passe, donc nous aussi on vieillit. Donc, hein, certainement, il faut qu'il y ait de la relève. Voilà. Alors, ben, effectivement, mais, bon, je ne sais pas vous, vous ne venez pas représenter une paroisse particulière, mais ben, nous, on serait aussi un peu très ouvert, par exemple, pour nous inviter, par exemple, dans nos paroisses, qu'on vienne là-bas, qu'on organise des journaux, mais au sein de paroisse, peut-être c'est une autre façon d'aborder la même chose, mais peut-être avec les mamans, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Les conférences, c'est pas fait que on va dire une élite particulière, mais c'est à nous aussi de trouver les idées qu'on va échanger avec les mamans. Non, mais en tout cas, moi, je vous promets, au sein de la paroisse à laquelle je parle, vraiment. Non, la paroisse de Montreuil. Hein. Oui, oui. La paroisse de Montreuil pour être plus précis. Et la paroisse de Montreuil, vraiment, nous allons faire en sorte que, avec votre collaboration, nous organisons ce genre de manifestation. La paroisse appartient, la paroisse de Montreuil appartient à Papa Simba, qui a réalisé. Ce n'est pas la propriété d'un individu ou d'une communauté sectaire, non. C'est à partir de ce moment qui a gagné. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure on peut organiser dans cet espace les manifestations de ce genre. Donc, moi-même faisant partie de mon organisation, je vais essayer de peser le plus mon poids. Essayer de... Mais de toute façon, les autres seront intéressés parce que ce sont des manifestations qui permettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le règlement du nom de Papa Simon Kumba et le règlement de notre Église. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Donc, c'était juste un peu échanger un peu sur prendre un peu de vos impressions par rapport à la journée. Donc, merci. Puis on se merci beaucoup. À bientôt. Très bientôt. Merci papa. Tata Godidia Kongo, tu as un bon égard. 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 Tu as un Je suis là. Alors, l'homme qui a gagné le bim, maman, tout ça, mais le papa,
Nkanda wa Rassouni Baba qui Serge Emmanuel Watoula. Et puis Mizi Mais ce sont des conférences. Je suis à Wizard, 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 je suis à Wizard,